Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le cadre de votre programme Time with Flow. Aujourd'hui, on va faire une petite différence entre un manipulateur et un leader. Oui. Déjà, revenir sur l'étymologie du mot leader. Le mot leader est dérivé de la langue de Shakespeare, du verbe to lead, qui veut dire mener, diriger, montrer un chemin. Maintenant, si on revient au mot manipulateur, comme ça le dit, manipuler, regrouper, faire en sorte que l'on puisse arriver à un objectif précis grâce à un mécanisme précis. Tout de suite, la différence. En petite définition, un leader est quelqu'un qui a une vision commune. Un leader est quelqu'un qui a une pensée commune. Un leader, c'est quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour les autres. Voici en quelques mots les grandes lignes d'un leader. Mais un manipulateur est un individualiste. Un manipulateur regroupe des gens pour atteindre sa satisfaction personnelle. Oui. Un exemple clé d'un bon manipulateur. Adolf Hitler fut un grand manipulateur. Oui. Un exemple de leader ou encore de leadership. Rawlings, ex-président du Ghana, est un leader. Désormais, vous aurez la capacité ou encore les capacités de dire à quelqu'un non, vous êtes un bon manipulateur, mais pas un leader. Merci. C'était Time Reflow. Ciao.